Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes réunis autour de Papa Nicolas, Michel, Souchy. Et nous sommes aussi en communion avec Moubé qui a eu un malaise, qui est à l'hôpital. Nous sommes en communion avec tous ceux qui ne peuvent pas rentrer. Je vous en supplie, dites à ceux qui n'ont pas pu rentrer que les enfants et que la maman n'y peuvent rien du tout. C'est la loi. Ils n'y peuvent rien à la famille. C'est dur pour eux de devoir dire à quelqu'un on ne peut pas rentrer. C'est pas... Voilà. C'est comme ça, c'est pas juste. C'est une période dure. Mais nous allons, Papa Nicolas Michel, à la miséricorde du Seigneur. Certains d'entre vous étaient un ami, un frère,
notre papa, Monsieur Nicolas Michel Zochin Piemina, est né le 2 juillet 1935 à Kibokila, dans la province du Congo. Il est décédé le 2 novembre 2020 au clinique Saint-Louis à Bruxelles. Il a obtenu une licence et une agrégation en sciences politiques et sociales à l'Université catholique de Louvain en 1968, après une régence en sciences et géographie. Inspecteur de l'enseignement entre 1961 et 1962, il devient directeur provincial de l'enseignement pour la ville de Léopoldville en 1968, puis sous-directeur chargé des universités à la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au ministère de l'Éducation nationale l'année suivante. En 1966, il devient vice-président du conseil d'administration de l'Université officielle du Congo, séancier. Il est ensuite désigné membre du conseil d'administration de l'Université de Louvain. En 1969, il est nommé directeur général de l'Institut pédagogique national, IPN, et membre du conseil d'administration de l'Université nationale du Zaïre, UNASA. De 1972 à 78, ça s'étend vers 7 ans, administrateur délégué des HPK, huileries et plantations. En 1978, il est conseiller à l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, enseignement supérieur et universitaire. Il est promu au rang de secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire en 1989. En sa qualité de doyen des secrétaires généraux des ministères, il est désigné décembre 1992 à avril 1993, coordonnateur des secrétaires généraux, chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Papa, en analysant ton parcours, on voit bien que tu as servi ton pays avec dévouement, loyauté, abnégation et intégrité. Tu nous as permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, et je sais que tu es fier. À nous de te dire merci. Merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es le bas au bas de la grande famille Zouché, le pilier de voilà partie dans l'issue. Continue de veiller sur nous et donne-nous la force de pouvoir supporter ce. Tu es allé rejoindre tes parents, ton fils Alain, ta nièce Christiane, ton neveu Nicolas et tous les autres. Tu vas nous manquer. Nous ne pourrons plus t'appeler papa en présent. Tu as repris. Je vais lire le témoignage de la veuve Zouchi Maman.
nous sommes allés, Christine, à Oncle Nicolas, après ceci. Aujourd'hui, je viens rendre un grand hommage à cet homme qui m'a fait réaliser mon rêve de jeune fille, celui de fonder une famille. C'est par lui que je suis devenue Madame Sushi. C'est lui qui a fait de moi une épouse responsable. Il m'a tout appris et voulait que je sois une femme parfaite. Sévère, il voulait que tout soit bien fait, mais était également un mari gentil, attentionné. Il était proche de ses enfants et petits-enfants. Tous les jours, il tenait à avoir des nouvelles de nos enfants, malgré leur âge adulte. Si ces derniers n'avaient pas téléphoné de la journée, il leur téléphonait chacun et chacune et était ravi de les entendre. Il était très attaché à la famille, beaucoup d'amour également pour ses neveux et nièces. Papa Jean-Michel, durant nos 59 ans de mariage, nous avons traversé de nombreuses difficultés ensemble, mais également beaucoup de moments de bonheur jusqu'à ce lundi matin de novembre 2020. Je garderai particulièrement un bon souvenir les derniers moments agréables que nous avons partagés lors de notre hospitalisation, notamment ton regard plein d'amour. Papa Jean-Michel, nous sommes allés jusqu'au bout de notre engagement et je rends grâce à te dépasser au doigt il y a 59 ans et te promets de la garder jalousement. Tous les membres de la famille qui t'ont précédé vont t'accueillir. Nos parents, ton fils Alain, ta nièce Christiane et ton neveu Nicolas. Mon cher époux, Papa Jean-Michel, va en paix auprès de ton Dieu. C'était le témoignage de Maman Rose. Oncle Nicolas, je vais parler ici. Mon ami, comme papa me disait, quand il me demandait si j'avais de tes nouvelles, je suis née le 27 août et tu es arrivée quelques heures après ma naissance à l'hôpital Saint-Joseph. Et quand mon anniversaire approchait, tu me disais, Jojo, où il y a Jojo, c'est bientôt notre jour. C'est une phrase que je n'entendrai plus. Au téléphone, quand je te demandais « Oncle, ça va ?», tu répondais « Ça va, mais le kimobali. » Et je te répondais « C'est pas grave, oncle, tu vas bien. » Cette phrase-là non plus, je ne l'entendrai plus. Comme papa l'a dit, nous rendons grâce à Dieu de t'avoir gardé auprès de nous toutes ces années. Chef Yakikanda, oui, tu l'étais. Tu as aimé chacun et chacune de nous. Peut-être pas toujours comme nous l'avons souhaité ou comme chacun le voulait, mais tu nous as aimés. Et aujourd'hui, l'hommage que nous pouvons te rendre, c'est de nous efforcer de garder cette famille unie, cette famille à laquelle tu tenais tellement. Va en paix, digne fils de Michel et Angèle Souchy. Mon oncle à moi, tu vas beaucoup me manquer et je crois que tu vas manquer à chacun d'entre nous de ta famille. Repose en paix, Souchy Mouklemina Michel Nicolas. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il
n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Beaucoup de choses m'ont frappé
dans la vie de Papa Nicolas Michel. Tout d'abord, et je me demande pourquoi est-ce que le Congo officiel ne fait pas ce pas pour reconnaître la grandeur d'un homme qui a servi son pays. Comment c'est possible? Est-ce qu'on a la mémoire courte? Est-ce qu'on a la mémoire courte dans ce pays? C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un tout officiel. C'est dommage. Que faut-il? Il a servi son pays. Et il a même dû aller en prison. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que lui qui en est sorti blanchi, c'est qu'il n'en voulait pas à ceux qu'il avait mis. Il avait un cœur bon. Nous, peut-être, on aurait voulu se venger et dire c'est pas possible. Mais ça m'a frappé dans ce qu'il disait. C'est leur affaire, c'est pas la mienne. C'est leur conscience. Et ceux qui commettent des actes injustes, c'est leur conscience qui devra rendre compte devant Dieu. Devant ce qu'on a fait à un homme, devant le manque de reconnaissance, ce qu'un homme a fait de bien pour son pays. C'est leur affaire, disait-il. Ça vient d'un cœur droit. De la même manière, il demandait des nouvelles, et même parfois de ceux qui ne prenaient pas contact. Mais lui voulait cela. Je me dis, mes frères et sœurs, c'est de l'amour pour ça. Nous nous attendons parfois qu'on nous téléphone parce qu'on se dit, est-ce qu'on s'intéresse à nous? Mais lui, il s'intéressait. Il voulait savoir comment vous alliez, comment aller, même ceux qui ne prenaient pas contact avec lui. C'est l'amour pour cela. Il savait manier, comme disaient les enfants, le bâton et la carotte. Pour obliger ses enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais il avait cette même rigueur, disait-il, à la maison, comme dans son travail. C'est important de donner le meilleur de soi-même et d'être ceux qui font que ceux qu'on aime, que ceux avec qui on travaille, donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'amour. Pour tout ça, mes frères et sœurs, les portes du royaume se sont ouvertes. Alors on peut dire, mais c'est aussi un pauvre pécheur. Oui, mais qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Mais le Seigneur, ce qu'il retient, c'est ce que l'on a semé de bon. Et ce qui peut peut-être être vrai, c'est quand on est devant lui, qu'on en est libéré. C'est quand on est devant lui qu'on est libéré de nos erreurs, de ce qui n'a peut-être pas toujours été parfait. Mais ce sera la même chose pour nous tous. Mais quand on a un cœur avec de l'amour, quand on a un cœur qui ne tient pas rancune avec ceux qui font du mal, on est comme Dieu. On est comme Dieu. On pardonne à ceux qui nous font du mal. Comment Dieu ne pourrait-il pas pardonner ses erreurs à celui qui pardonnait, à ceux qui ont fait à son égard? Je me dis, c'est ça qu'il faut retenir d'un homme. Soyons droits, mes frères et sœurs. Soyons droits dans notre travail. Soyons bons. Et c'est ce que dit Jésus. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense pouvez-vous en attendre? Aimez aussi ceux qui vous font du mal. Ce qu'il a fait, c'est ça le fruit de l'amour. C'est ça la beauté de l'amour. La sainteté, c'est pas être sans péché. La sainteté, c'est donner le meilleur de soi-même et faire confiance que le Seigneur efface tout le reste. C'est ça. Et que rien, même nos erreurs, rien ne nous empêchera de rencontrer le Seigneur. Ce qu'il a dit à ses enfants peu avant de mourir, je suis dans la paix. Je suis dans la paix. Un homme qui est dans la paix est un homme qui sait que Dieu n'est pas un juge impitoyable, mais que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon, que Dieu serre sur son cœur Papa Nicolas Michel. Et avec lui, nous prions.
prions pour ce pays, pour qu'il règne la droiture, le partage équitable de tous les biens, et que tous ceux qui travaillent pour ce pays n'essayent pas de remplir leur maison des richesses du pays, mais se préoccupent pour qu'il n'y ait plus jamais quelqu'un qui ait faim, pour qu'il n'y ait plus une guerre, plus quelqu'un qui vienne s'emparer des richesses de ce pays, mais qu'elles soient données à ceux qui y habitent. Le lait et le miel qui coulent, c'est pour tous, pas pour un seul, c'est pour tous. Avec Nicolas Michel, qui a servi son pays, c'est ce que demande pour notre cher Congo. Amen. En toi, j'ai mis ma confiance. Ô Dieu des saints, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Nous allons venir nous incliner devant Papa Nicolas Michel. S'incliner devant quelqu'un, c'est reconnaître sa grandeur, c'est se faire un peu petit et le laisser grandir. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. On ne peut pas toucher le cercueil dans cette époque un peu bizarre. Et après, vous êtes incliné devant Papa Michel. Si vous le voulez, vous pouvez vous incliner devant l'autel. Sûr que toute sa vie est dans la main de Dieu et dans le cœur de Dieu. Qui bénit, qui fait miséricorde et qui rend son dupe le bien qu'il a fait. C'est ça, s'incliner devant Dieu, qui rend grand tout. Dans l'ultime rencontre. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, déposer une offrande. Merci.
sauva et qui fait de nous tous des enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que le Seigneur fasse briller son visage sur notre papa Nicolas Michel Tsouchi, sur son épouse, ses enfants, ses beaux-enfants, son fils Mbeye qui est à l'hôpital, tous ceux qui sont oubliés sur le Congo. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage, que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et celle qui prie pour nous tous maintenant et à l'heure de notre mort, notre maman Marie. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi, comme le savait parfaitement notre papa. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton fils Jésus nous a tous rachetés, que rien ne nous sépare de lui. Nos noms sont inscrits dans sa main, comme le nom de Nicolas Michel Tsouchi. Regarde avec bonté
paix au mystère de la résurrection dans le Christ, qu'il obtienne de connaître éternellement la joie de vivre auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui nous aime, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Au meilleur moment d'aller accrocher la petite croix, sûr qu'ici nous prions avec lui à chaque messe. Un petit instant, Wilfried. Un tout petit instant. Sa fille, le papa Zouchi, m'a dit, est-ce qu'à la fin de la messe, ce peuple veut dire mon papa? Et je lui dis, mais évidemment, pourquoi une fille ne pourrait pas venir dire son papa? Et nous avec elle.